Salut, c'est Kaliana et nous voici pour le troisième épisode de Dishonored, la mort de l'outsider. Alors dans l'épisode précédent, on avait trouvé deux clés qui permettaient d'ouvrir un coffre pour trouver l'arme qui permet de tuer l'outsider. Donc on va aller chercher l'arme. C'est l'heure. Bientôt, tu pourras enfin l'éliminer. Salut. La banque appartient à Dolores Michaels, la directrice. J'ai étudié les lieux et parlé à certaines personnes. Et malgré des échecs précédents, il y a quelques possibilités. Ils ont levé après l'argent, pas nous. Comment penses-tu pénétrer à l'intérieur? Il y a trois possibilités. Le toit, les poubelles et les égouts. Elles sont toutes viables. Une fois à l'intérieur, je trouve le coffre. Le couteau doit être dedans. La sécurité sera élevée. Tu as appris quelque chose? Pas vraiment. Des gardes, des soldats mécaniques et beaucoup de portes ouvrables à distance uniquement, sans parler du coffre lui-même. Il y a une arrivée d'air sur le toit menant au système de ventilation. Si tu trouves assez de laudanum, la sécurité de la banque sera dans les vapes avant même que tu n'entres. Il y a une pharmacie dans le quartier, mais elle a été saisie par la banque. Je verrai bien. Je sais que tu es pleine de ressources. Ces clés trouvées sur les chefs des aveuglés te mèneront au couteau. Il te faudra également le passe-partout de la directrice. Fais ce que tu veux d'elle. Je suis prête. Bien. Veux-tu que je reste? Non. Tu ne peux rien faire pour moi. Récupère le couteau. Tue l'outsider. Tu dois mettre un terme à tout ça. Oui, Dode. Je te le promets. Tu as vu plus de choses que quiconque. Comment vais-je réussir à entrer? Tu es doué pour découvrir les secrets. Les aveuglés connaissent un moyen. Quand tu auras le couteau, le découvrir sera la prochaine étape. À quoi ça ressemble? Le grand vide. Un appel à l'aide qui reste sans réponse. Bon, trois possibilités, hein. Le toit, les poubelles et les égouts. Plan de la chambre forte. J'ai soudoyé quelqu'un pour obtenir les plans du mécanisme du coffre. C'est un ascenseur. Encore une création de Jindosh. Une salle de contrôle peut déplacer le coffre à deux endroits. La cave, où se trouvent les box, et le bureau de la directrice. Jindosh était peut-être un génie, mais ses inventions sont plus fragiles qu'il n'y paraît. De vieux égouts passent sous la banque. Je me demande ce qu'il dirait s'il savait que son précieux coffre allait s'écraser dedans. Il serait pas content. Code de la banque. J'ai reçu ton message, mais je ne peux pas t'aider. La sécurité de cette banque est un affront à tous les honnêtes voleurs. Ils se servent d'une espèce de système d'annonce publique. Il faut le bon code pour passer les postes de contrôle. Le problème, c'est que les codes changent à chaque relève. Unis ne servira à rien, les codes auraient déjà changé le temps que tu la reçoives. Tu vas devoir te débrouiller toute seule, bonne chance. Les gardes utilisent des codes via un système d'annonce publique, mais ils changent à chaque ronde. Aucun moyen de les connaître sans entrer à l'intérieur. Ces codes seront utiles pour atteindre les endroits les plus sensibles de la banque. Je sais que tu mettras la main dessus. Dolores Michaels. Banquière sectaire. Les riches de Karnaca lui confient leur fortune. Si jamais on apprenait que quelqu'un a forcé son coffre, elle serait ruinée. Bon, on va y aller. Hein. Je n'ai jamais vu d'Aude si faible. C'est peut-être la fin.
le casse. Le couteau à deux lames se trouve dans la box de Dolores Michaels. Vous avez préparé le coup d'après les informations que vous avez obtenues sur le système de sécurité. Rendez-vous au quartier supérieur de Syria, pénétrez dans la banque et dérobez-y le couteau. Bon, on est directement en territoire hostile, donc de Dolores. Le missile du gardien de la banque. Ça, c'est quoi? Contrat et marché noir. Pharmacie. D'accord. C'est une excellente idée. Bon, on va aller à la pharmacie pour voir si on peut pas avoir le... Je crois que c'est du lot d'un homme qui est venu. Il y a des gardes. Oula. Ceci vous a été proposé par la commission des propriétaires indépendants du quartier supérieur de Syria. Notre communauté et notre vie. Oh bah ça commence mal. Hein. Bah ça commence mal. Hein. T'es viré, Hannibal, ça fait des jours que tu as disparu sans dire un mot. Alors tu sais quoi, t'es viré. Prends ta clé et récupère tes outils dans le placard du KGB. Et viens surtout pas me demander une autre chance, je t'en ai déjà donné plein. Je t'ai défendu quand la vieille compose t'a surpris en train de faire la sieste dans la salle de conférence. Et j'ai jamais rien dit à propos de tes pauses whisky ou de tes rats dans les égouts de la banque. Mais tout ça, tu t'en fous, pas vrai. Bonne chance pour trouver du boulot, Marco. Eh ben... Eleni, retrouve-moi aux falaises de la mort. J'ai vu une vieille montre à gousset hier. Je parie qu'elle vaut son pesant d'or. Par contre, elle est suspendue à un endroit difficile d'accès. Aide-moi à la récupérer et on partagera l'or. Quel plaisir ce sera d'avoir des pièces sonnantes et trébuchantes en poche lorsque je rendrai la clé de la banque à Marco.
On verra s'il me traite de bon à rien quand je roulerai sur l'or, Hannibal. C'est quoi un contrat et marché noir, la banque, la pharmacie. On va aller au marché noir. Hein. Rien du tout. Hop là. J'aime pas ça. Je serais mieux d'aller voir. Je ne veux pas mourir. Il faut que je vois si. Oh, vite. Plus on s'éternise ici, plus on risque de se faire repérer. Tu crois pouvoir crocheter cette serrure plus vite? Vas-y. Désolé, Sal. Je sais que tu peux le faire. Mais ces gardes qu'on a vus tout à l'heure m'inquiètent. Aucune somme ne justifie de finir dans la prison de Balmet. Finissons-en vite, d'accord? C'est prévu. Non! C'est pas vrai! Je suis... Personne m'écoute jamais. La prochaine fois, je dirai rien du tout. Bonjour. Ouais, un peu trop près là. Clé du bateau. Ok, ok. Vous êtes en Cognon. Attention. Hey. Quoi? Au secours. Protégez-moi. Oh. Alors, pharmacie, contrat. Les mouches de sang ne restent jamais longtemps en cage. Ouais, c'est le truc avec les mouches de sang. Hop. Faut faire le tour.
Mais ça, c'est pas des gardes. Bon, à la pharmacie, ça sera plus... Lui, c'est pas un garde. Il y a pas de garde. Et si je rendais visite à Teresa? Je suis toujours vigilant, toujours. Pas la peine de le dire deux fois. C'est là-haut. Ah, c'est par là. De l'huile de banane. L'outsider. C'est la banque qui vous envoie, n'est-ce pas? Désolé de vous décevoir, mais il ne me reste plus rien. Pas même une pièce. Dites-le à vos avocats. Vous faites erreur. J'ai vu que la pharmacie avait fermé. Savez-vous où je peux trouver du laudanum? Oui, aux enchères. Mon père distillait du laudanum pour préparer une recette de famille secrète. La teinture de pavot. Encore mieux que l'industriel. Mais la banque va vendre tout ça avec toutes ses possessions. Elle a pris tout ce que nous avions. Mes condoléances. Il a été tué, c'est ça? Vous savez quelque chose? Il ne lui restait plus une goutte de sang quand la grande garde l'a trouvé. Je ne sais pas qui aurait pu lui en vouloir. Enfin, les enchères sont aujourd'hui. Dépêchez-vous. Et portez un chapeau. Les gardes ne vous laisseront pas entrer comme ça. J'ai trouvé un chapeau. Alors, contre-moi chez moi. Enchère. Bah si, il te reste de l'argent.
Non, c'est pas ce que je voulais faire. Les enchères, c'est pas là. Il me faut un siège. Ça va commencer d'une minute à l'autre. Je ne peux pas y aller comme ça. Il me faut un autre visage. Un autre visage. Je devrais peut-être engager un garde du corps. Personne dans la rue ? Peut-être choper le mec à l'entrée. Est-ce qu'on peut pas fermer les portes? Non. Non, non, non. Ils vont pas me voir. Qu'est-ce qui est passé ici? Voilà. Ensuite, je lui pique son visage. Voilà. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous êtes ici pour les enchères? Asseyez-vous. L'enchère minimum est de 280 pièces. Bien, commençons. Je vous rappelle que les enchères sont fermes. Si vous partez, votre enchère est annulée. Compris? Bien. J'ai une enchère à 280. Quelqu'un d'autre? 240. J'ai 300. Quelqu'un à 320? 320. 320 pour toute une propriété. Allez, messieurs là, 340 ici. 340. Voilà qui est 360. J'ai 360 ici. Quelqu'un à 380? 380. J'ai 380. Personne pour 400? Ah, 400 par ici. On sait reconnaître une affaire quand on en voit une. 400 pour le lot. 420. Je prends. 420. Je vous vois, monsieur. 400. Oh, nous avons 440 ici. 440 pour ce lot de luxe tout entier. Réfléchissez bien, mesdames et messieurs. On n'en voit pas tous les jours, et encore moins à ce prix-là. 440 toujours. Personne d'autre. 440 une fois. 440 deux fois. Adjugé pour 440 pièces. Bien. La teinture de pavot est à moi. Ce sera parfait pour la banque. Félicitations! Vous avez remporté ce magnifique lot de la pharmacicienne Frigos. Venez chercher vos nouvelles possessions après les enchères. Et c'est terminé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Mais n'ayez crainte, nous reviendrons la semaine prochaine avec de nouveaux trésors. On ressent une solitude étrange quand le monde vous méprise plus que tout. Bon, on a récupéré le pavot. Chez la crasse, on commence à avoir du mal à respirer. Quelle sorcellerie! Banque, conduit d'aération. Allez. Mmh.
Non, non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Non, non, je suis caché. Je suis caché. De trouver du personnel de qualité de nos jours. Je me dis parfois que je pourrais faire le travail moi-même. Mais mon dos est si fragile. Bon, on dirait bien qu'il y a personne. Voilà, lui c'est fait. Alors, est-ce que c'est par là? Je suis déjà venu là. Tu as terminé ce tour de garde et je pourrais rentrer. J'ai besoin de... Bonsoir, Banque Michaels. Je suis ici pour faire un retrait. Un gros retrait. Des chiens, des gardes. Falaise. Une charge. Conduit d'aération. C'était mon imagination? Non, je n'ai pas rêvé. Je me demande à quoi j'ai affaire. Je me demande qui c'était. J'aurais pour ton jeu et qu'il se passait quelque chose. La prochaine fois. J'ai cru voir quelqu'un juste ici. Je vais faire un tour au cas où. Elle pue cette chemise. Hein? Une seconde, je vais voir. Je reviens tout de suite. Si c'est un rat, abattez-le, d'accord? Ça venait d'ici. Voyons un peu. Quelque chose qui cloche. Je peux pas aller là-haut. Je
Really? Ah. Non? Un petit peu. Parfait. Voilà. Suite. Voilà. Là, on peut pas s'accrocher. Mais j'élimine le chien en bas. Ah mais lui il va me voir. Ah, on peut pas sauvegarder. Restez sur vos gardes, les gars. Il y a quelque chose dans l'air. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Faut qu'on trouve quelque chose. N'importe quoi. Ça devrait pouvoir ouvrir tout ça. On vit une période bizarre. La mer avait une sale couleur. Il faut toujours rester sur ses gardes. C'est un mauvais présage, ça. Très mauvais. Oh putain, il m'a fait peur. Ouais, m'ont pas suivi. Allez, montrez-vous. On vous attend avec impatience. Mais je suis là, hein. Rien du tout. Quelque chose?
Montrez-vous. Voilà. Holy. Voilà. La technique qui marche le mieux. Hein. Les égouts. Voilà. Ça me prend. Ça. Sauvegarde.
fait parler au chef, lui. Ça l'est. Alors ça... Où est l'autre ? Il est là. Alors... Lui dit la teinture de pavot. Voilà. Entrez dans la banque. Je suis entrée. Là, ça va se corser. Le silence avant tout. Il pourrait se réveiller si je fais du bruit. Pas si tu fais ça. Porte blindée inopérante. L'obsession de Cienfuegos a fini par le tuer. Désolé. On va prendre. C'est quoi ça? Faut bien qu'on pose opération manager. À Rebia Campos. Rebia, l'équipe de maintenance a besoin de nouvelles clés pour la zone d'entretien immédiatement. Garka a disparu il y a quelques jours avec leur seule clé et maintenant les employés de la ville ne peuvent plus accéder à nos poubelles. J'ai rempli un formulaire de demande mais il me faut votre sceau. Réglons cette situation avant que Madame Mikaels ne voit les déchets s'empiler devant son bel établissement. Marco. Il n'y a rien. Oula. Bristow, l'opératrice dispose-t-elle d'un fonds de placement chez nous, ou simplement de capital?
Pourrions-nous la persuader d'étendre les activités de son compte chez nous? Venez me voir, Dolores. Voilà. Conférence room. Porte blindée inopérante. Bonjour, c'est pour le faire formulaire B38. Madame Atwater, j'ai appris la fermeture temporaire de l'agence de Freeport suite à l'arrestation et à l'emprisonnement de tout le personnel responsable des comptes étrangers. Mes collègues de l'agence de Caltan et moi-même sommes consternés par la malhonnêteté de nos collègues de Freeport et tenions à vous assurer qu'aucun de nous n'a pris part à leurs agissements. Nous continuons de servir la banque Michaels avec respect et discrétion comme nous l'avons toujours fait. Cordialement, Ophelia Serrano. Tout le monde sait que les banquiers, c'est des voleurs. Ah, ça c'est intéressant. Non, ouvre.
Madame Serrano, je vous remercie de votre dernière lettre. L'agence de Karnaca a également remarqué une recrudescence d'activités provenant de Freiport. J'en ai informé Dolas Michaels, qui étudiera les comptes concernés. Bien à vous, Maura Atwater. Il n'y a rien. Le tableau, c'est un mec dans une poubelle, quand même. Pourquoi ça s'énerve la musique? Ils ont des petites caisses enregistreuses avec des grosses pièces quand même. Certaines portes. Thank you.
Moi, je l'ai pas vu. C'est où? Attendez, sauvegarde avant de faire une bêtise. Oula. Ça doit être le coffre. C'est oui. Une sorte d'ascenseur luxueux. Et le truc là, c'est un. Je peux déplacer le coffre à deux endroits. Il faut que je trouve. De le faire bouger. Un truc mécanique. D'une façon ou d'une autre. Où est-ce que je pourrais m'accrocher? Là-haut. Mais il va me voir. Oulet. Oh putain. Sécurité d'administration, va bureau de directrice. On m'a vu.
Ah, ok, top. La banque Michaels vous souhaite une journée rentable. Les mecs, ils sont super occupés. Hein. Il y a des trucs électriques, on va peut-être pas y aller par là. Non, ça marche pas. Et si je monte sur les meubles? Monter sur les meubles, ça marche. Ça c'est une bouteille. Oula.
vais voler tous tes secrets, Dolores. Attends, je vais d'abord. Ça me semble familier, mais j'ai jamais rien vu de tel. J'ai besoin de ça. Dolores, j'ai résolu notre petit problème. Le pharmacien ne nous gênera plus. Il nous a malheureusement laissés dans un sale pétrin. J'ai eu beau retourner sa maison et son magasin, je n'ai même pas retrouvé les documents qui vous avaient volés. Je suis même allé fouiller sa petite mansarde d'artiste, mais je n'ai rien trouvé dans tout son fouillis. D'après ce que j'ai entendu au spectre, Cienfuegos aurait envoyé un dossier au Conservatoire Royal. Je parie qu'il contient vos documents. Je vous laisse le soin de les récupérer. Cordialement, Yvan. Toute cette sécurité ne t'a pas sauvé, Dolores. Ça, on prend, hein, nord. Coffre. Il n'y a rien d'autre. Ça. Ça. Alors, sachez, j'ai probablement coupé la vidéo parce que j'arrivais pas à trouver le passe. Et apparemment, il est dans cette pièce-là. Encore de l'art. Ça sert à rien faire. Je sais pas. Ah. Il y a quelque chose derrière le tableau. Ah oui, le bouton. J'avais zappé le bouton. Garder tes secrets à portée de main, n'est-ce pas, Dolores? Dolores Michael, sachez que votre dévouement n'est pas passé inaperçu. Nous nous sommes concertés, nous avons décidé que vous feriez partie des prochaines personnes sélectionnées pour nous accompagner lors de notre isolement et communion. Nous vous engageons à entamer les préparations nécessaires à votre départ de Karnaca. Les biens que vous avez amassés et les relations que vous avez établies au cours de votre vie ne seront pas autorisées ici. Nous vous recontacterons en temps voulu. Vous trouverez ci-joint plusieurs documents. Je compte sur vous pour en prendre soin. Étudiez-les consciencieusement et protégez-les comme si votre vie en dépendait. Puisse-le veiller sur vous. Et dans la montagne, c'est impossible. La grande ville l'a détruit. Elle n'existe plus. À moins que...
Bien. J'ai la clé. Que cache-t-elle d'autre? Un moyen d'accéder au grand vide? Cienfuegos a envoyé des documents au Conservatoire Royal. Je dois découvrir ce qu'il sait. Prochaine étape, le Conservatoire. Il sera trop tard quand ils vont s'en rendre compte. Deux verrous. C'est sûrement celui-là. Les autres, il n'y a pas de... Ça, c'est le déchet. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Bon. Toi et moi avons été abandonnés à un avenir incertain dans la rue et recueillis par les assassins. L'autre t'a épargné il y a longtemps. Mais j'ai appris une leçon qui t'échappe toujours. Ton passé te suit, même dans le grand vide. Donne-le-moi. J'ai pas le temps pour ça. Le temps se répète de la même façon. Il y a 4000 ans, ce couteau a tranché mon nom pour qu'il soit oublié. Tu sais ce que c'est de perdre un nom et de vivre avec un autre. Nous sommes faits des choses qu'on nous a volées. J'ai vu les gens que tu as rendus fous avec ta magie maléfique. Tu sais ce que je veux. Je viens te chercher. J'en sais plus que tu ne crois. Je sais que le temps se referme lentement sur toi. Je sais que tu l'as senti et que tu cherches les endroits où le monde a cédé face au grand vide. Je sais que d'eau dehors, là où tu l'as laissé, sur le bateau en ruine, et que tu veux ce couteau afin de m'affronter au centre de toute chose. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi me parler? Je suis là parce que tu es différente. Le grand vide t'a trouvé en dépit de ta misérable vie brisée. Et quand tu te seras débarrassé de moi, que restera-t-il? Que laisseras-tu derrière toi? Que me veut l'outsider? Toad. Est-il vraiment mort? J'ai le couteau. Je dois rentrer au Dreadful Well. Frappe du vide. Maintenez RT pour charger votre épée avec l'énergie du vide. Puis libérez-la pour frapper vos ennemis à distance. Les dégâts infligés sont faibles, mais la cible est projetée dans la direction du coup d'épée. Cette attaque permet également de briser les objets et d'interagir avec leur environnement. Non plus.
vers la rue. Je suis un peu perdu là. Ça va être un sacré bazar quand ils découvriront ce que j'ai fait. En attendant, silence. L'archive volée. Eleuterio Cienfuego, ancien membre des aveuglés, a dérobé d'importants documents détaillant comment entrer dans le grand vide pour les envoyer au Conservatoire Royal. Entrez-y et cherchez cette archive volée. J'ai regardé le feu brûler toute la nuit. La fumée tachant les étoiles. L'eau frémissant, tandis qu'elle engloutissait mon vieux navire. Toute. N'est plus. Combien ont essayé de te tuer, mais n'y sont pas parvenus. À combien s'élevait la prime pour ta tête, vieil homme? Seul le grand vide peut la réclamer. Pendant des années, j'ai imaginé l'outsider m'offrant sa marque. Au lieu de ça, il m'a donné le couteau qu'il a créé. Une arme qui peut aussi le tuer. Je ne comprends pas pourquoi, mais je sais ce que d'autres voulaient. Et s'il doit errer dans le grand vide pour l'éternité, autant lui apporter la paix en exécutant sa volonté. Tandis que le Dreadful Whale brûle, je me demande si l'Outsider rit
ou ne fait que regarder ce bûcher funéraire, comme moi. Adieu, Daud. Je vais finir ce que tu as commencé. J'avais ce bateau depuis des années, mais il a vite brûlé. Daud est mort, et Megan Foster avec lui. Un des aveuglés, peintre et pharmacien, a volé des informations pour savoir comment entrer dans le grand vide. Cienfuegos, il était aussi fou que les autres. Mais lui est allé trop loin. Avant que les aveuglés ne le tuent, il a envoyé ce qu'il avait volé à la conservatrice royale. Elle aurait peut-être pu l'aider, qui sait. Elle a disparu. Mais ce que lui a envoyé Cienfuegos est toujours là. L'abbaye du Kidam a repris les rênes. Ils ont envoyé les superviseurs et les sœurs de l'ordre oraculaire. Je dois trouver ce qu'il reste des archives du pharmacien avant qu'ils ne détruisent tout le conservatoire. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon allez, à plus.